Vous le savez, moi, je suis quelqu'un de très minimaliste. J'aime ce qui est épuré, ce qui est sobre, voilà. Tout ce qui est excès de lumière, de couleur, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie beaucoup. Si je pouvais installer mon setup dans un cimetière, ce serait le bonheur absolu. Donc, vous allez tout de suite enlever votre souris là du bouton désabonner, hein. À l'inverse, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous y abonner parce qu'il y a plein de choses très intéressantes et surtout. Il y a beaucoup... Ah non, pas là. Pas là parce qu'il y a un moteur. Il y a beaucoup de putain de RGB. Je dédicace cette vidéo à tous les Jean-Michel LED du monde entier. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors à l'inverse de tout ce que je viens de dire juste avant, hein, toutes les grosses conneries que j'ai dit, là, j'ai eu la nausée. Hein. Évidemment, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime les choses sobres. Certes, de temps en temps, j'aime bien avoir quelque chose de pur, voilà, de propre. Évidemment, ça dépendra de l'environnement que je souhaite avoir, mais généralement, voilà, j'aime en faire des caisses et y mettre beaucoup de RGB. Et du coup, bah, j'ai évidemment testé pas mal de produits en tout genre, plusieurs marques, dont les Nanoleaf, Philips Hue. J'ai testé des marques un petit peu plus cheap qu'on peut trouver sur Amazon, chez Action. Et il n'y a jamais rien qui m'a vraiment convaincu dans le sens où, soit, bah, c'était pas très cher, mais c'était de la merde. Et à l'inverse, ce qui fonctionne bien, ce qui est de bonne qualité et connecté en Wi-Fi, bah, ça coûte hyper cher en fait, hein. Genre les Nanoleaf, tu payes environ 400 milliards d'euros les 5 panneaux, et les Philips Hue, j'en parle même pas. Même si, bon, bah, ça a été les premiers à proposer un écosystème aussi complet, aussi connecté et aussi facile d'utilisation. Je vais faire référence par exemple au Philips Hue Play, bah, il fonctionne bien, la lumière est bonne, voilà, c'est pas incroyable non plus, mais ça va. Mais le produit en lui-même, on dirait un jouet. On ajoute à ça le fait qu'il faut ce petit hub qu'il faut acheter séparément, qui coûte un certain prix, mine de rien, et que bah, sans ça, voilà, on n'a pas cette connectivité, et voilà, les Philips Hue Play, comme je vous disais, j'en ai deux, et si je les compare aux produits de la marque que je vais vous présenter aujourd'hui, bah finalement le prix est doublé pour une qualité un petit peu plus cheap. Mais voilà, moi aujourd'hui ce que j'ai envie de vous présenter, c'est une alternative beaucoup moins chère et pour la plupart du temps plus efficace. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit des produits de chez Govee. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par Govee, mais par contre, elle l'est par le sponsor de cette chaîne qui est YourCDKey. Donc YourCDKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu, on peut également y retrouver des clés software, et nous ici, ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC, et ce sont de vraies clés legit, hein. Ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail. Vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite, pour l'activer, c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez Activation. Ici, j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai plus Windows d'activé. On va dans Modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller. Parfois, ça prend 5 secondes, parfois, ça prend 10 ans, hein, on ne sait pas trop. Et du coup, voilà, maintenant, Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo, et maintenant, on retourne au sujet principal. Donc, les produits Govee, je les découvre il y a quelques mois par moi-même, en fouillant un petit peu sur Amazon, je cherchais une simple bandelette que je pouvais contrôler directement avec Alexa, et je tombe donc sur quelque chose qui est connecté, qui n'est pas spécialement cher et dont le packaging a l'air propre, enfin la présentation était clean. Et très souvent, bah moi je me fie pas totalement à ça, mais j'estime qu'un bon packaging, une bonne présentation, c'est déjà un très bon point. Parce que les marques qui vont vous vendre de la merde vont pas forcément investir beaucoup dans le packaging, parce que sinon bah, ça leur coûterait limite plus cher. Genre la plupart des merdes qu'on va vous vendre sur Amazon, hein, ces espèces de Wishery, c'est des trucs qu'on va voilà, trouver sur des catalogues chinois, on va les acheter en masse, on va déposer un logo dessus, on appelle ça du rebranding. C'est pas forcément cher, ça permet de lancer un petit commerce, et du coup voilà, généralement, bah on va les vendre à un prix plutôt réduit, sachant qu'on les a déjà pas payés très cher de base, mais du coup on va pas investir trop cher non plus dans un packaging, dans de la com, tout ça, parce que sinon ça reviendrait plus cher que bah, le bénéfice qu'on va faire sur le produit. Ici Govee directement, j'ai vu leur présentation Amazon, j'ai vu leur patch. Ici Govee directement, j'ai vu que les photos de présentation étaient personnalisées, que c'était des bonnes photos, que le packaging avait l'air soigné, que le produit avait l'air soigné, donc je me suis dit why not, on va essayer. Donc j'ai acheté une première bande LED, voilà, le packaging proposé c'est ça. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus esthétique, mais ça reste quand même propre comparé la plupart des bandes LED où on reçoit juste ça dans un sachet en plastoc ou alors dans une simple boîte en carton normale ou blanche. Du coup voilà, je l'achète, je l'essaye et bah, j'ai été satisfait directement. Que ce soit par la présentation du produit, par sa consommation énergétique, je veux dire un produit classe A comme ça, déjà de base les LED ça consomme pas grand chose, ici ça consomme pratiquement rien. Enfin il faut se dire déjà de base les LED ça consomme pratiquement rien. Mais voilà, 520 lumens pour une bande LED de 5 mètres connectée à Alexa qui coûte une vingtaine d'euros. Donc déjà rien que les LED j'ai approuvé, du coup je me suis intéressé à la marque directement sur Amazon, j'ai vu qu'ils avaient un catalogue assez large.
large. On va y retrouver par exemple les Govee Glide qui sont des barres que l'on peut fixer à une surface. Leur éclairage est très bon, ça fonctionne super bien. Je crois que ici déjà pour l'ampoule on est sur ultra léger, donc ça s'attache super facilement avec du double face. L'éclairage est super bon. Déjà ici on est sur plus de 500 lumens pour une simple bande LED, et ici je vous dis ça tout de suite. Bon bah je trouve pas l'information, mais je vous l'indiquerai ici, et de toute façon je vais vous montrer juste après comment ça éclaire. On a ici le LED Neon Strobe Light qui est donc une sorte de néon flexible, un petit peu comme les Corsair LS100. Un néon flexible de 3 mètres qui fonctionne aussi super bien. On a des ampoules également. Bon, toutes les boîtes sont déjà ouvertes et utilisées, hein, parce que j'ai tout installé dans mon setup. Je vous ai dit, ça fait plusieurs mois que je consomme du Govee, hein, je mange du Govee tous les jours. Et du coup, ouais, on a également ces ampoules connectées qui, elles, montent jusqu'à 800 lumens. Et tout ceci est RGB. Il y en a encore d'autres que je veux montrer. D'autres produits dont je n'ai plus les boîtes qui sont déjà fixées au mur, donc je peux pas vraiment les détacher pour vous les montrer, mais j'irai directement vous les montrer. J'ai une autre ici, barre, pareil, elle aussi, Govee connectée, et c'est l'une des meilleures que j'ai trouvées jusqu'à présent. Pour le même prix, j'en ai trouvé une, celle qui éclaire derrière en vert là. Je sais pas si vous la voyez à cause de l'angle de caméra, mais une autre barre du même genre qui m'a coûté plus ou moins le même prix et qui est ultra cheap, qui envoie rien comme lumière, qui n'est pas connectée. C'est justement elle qu'il faut connecter avec cette petite télécommande, hein, voilà, ici c'est totalement connecté. En fait, tout l'écosystème ici est connecté directement via l'application Govee, mais on peut également le piloter via Alexa. Par exemple, voilà ce lampadaire où j'ai connecté toutes mes ampoules. Alexa, allume lampadaire. C'est la première fois qu'une femme m'écoute. Alexa, mets lampadaire à 10%. Et vous voyez, c'est tellement simple que de devoir faire tout avec une petite télécommande comme ça, de devoir à chaque fois tout contrôler et tout, surtout qu'ici, tout est individuel, tout est modulable. Enfin bon, je pense que le concept connecté, Alexa, vous le connaissez hein, depuis le temps, c'est pas nouveau, mais c'est pour dire que voilà, pour ce prix-là, on a quand même des accessoires qui sont super intéressants. On a des bandes LED, on a des ampoules, on a des décorations murales, on a des néons, on a des espèces de mini nanolifs qui sont sortis il y a pas très longtemps. Mais voilà, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a du coup tout un écosystème qui est connecté. Vous pouvez le contrôler directement via l'appli Govee sur smartphone ou alors Alexa, et ce sans hub. C'est là l'un des avantages qu'on va avoir par rapport à Philips Hue, où eux il faut acheter le hub, il faut connecter le hub et nanani, là tout est directement connecté. Parce que les produits Philips Hue, on peut les connecter aussi à Alexa, je sais, mais il faut passer par le hub. C'est-à-dire qu'il faut acheter le hub à part et il faut acheter Alexa à part. Ici vous achetez simplement les produits qui sont d'une qualité excellente également. Je veux dire, l'ampoule, il n'y a aucun moment où j'ai l'impression qu'elle est cheap, où j'ai l'impression que voilà, ça sonne pas plus creux que ça, c'est du bon matériel. Et même au niveau de l'éclairage, regardez, c'est quand même plutôt fort, sachant qu'en plus de ça, j'ai déjà pas mal d'éclairage dans mon setup qui viennent éclairer par-dessus. Donc évidemment, on perd ici un petit peu en intensité, mais ça reste quand même très bien niveau éclairage. Donc elles font parfaitement ce qu'on leur demande, elles sont connectées, qualité produit super bon. Et en plus de ça, il faut pas un putain de hub pour tout regrouper ni rien, c'est tout directement via Alexa ou via le smartphone. Le tout généralement à moitié prix. J'ai l'impression que Govee se sont vraiment dit, on va être les concurrents moitié prix de Philips Hue. Ils ont clairement décidé d'être leur concurrent, ça on le savait depuis le début. Ils proposent un panel aussi large, c'est-à-dire que ils ont aussi des espèces de produits comme les Philips Hue Play. Donc on peut taper un petit peu où on veut, mais le principe c'est de le mettre sur la télé avec la petite caméra, ça fait ambilight, tout ça. Ici pareil, Philips Hue ont le même genre de produit que celui-ci, le même genre de barre d'ambiance, pareil pour les néons, pareil pour les ampoules, pour les LED, qui se veut en plus ergonomique, connecté, voilà tout un écosystème. Donc on est clairement sur une marque qui se dit dès le départ haut et fort, on est les concurrents de Philips Hue, mais en plus de ça qui pour la plupart des produits se mettent à moitié prix. Clairement je suis super content qu'on ait enfin une marque qui fasse concurrence à Philips Hue, qui ose, parce qu'il y a déjà plein d'autres marques qui ont proposé des choses, mais ils ont proposé une bande LED et puis une petite lampe et puis ils se sont dit ouais bon laisse tomber c'est mort, alors que là on a une marque qui propose quand même régulièrement de nouveaux produits. Bref bah écoutez, on va faire un petit tour de mon studio vite fait pour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne tout ça, où est-ce que je les ai placés et jusqu'à quel point ça fonctionne quoi, jusqu'à quel point ça met du RGB dans nos vies. Et sachez que tous les produits que je vais vous montrer, que ce soit ceux-ci ou ceux qui sont dans le setup, voilà, si y en a qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description, tous les liens se trouvent, je le précise, ce sont des liens à Amazon affiliés. Bref, je vais un petit peu vous montrer tout ce qu'il y a dans le setup. Alors on se retrouve donc dans l'autre partie de mon studio, là où j'ai mon bureau, là où j'ai toutes mes colonnes, toutes mes étagères, mes bibliothèques, où je range mon matériel vidéo, tous mes composants périphériques, enfin bref, tout le matériel avec lequel je bosse. Et comme vous pouvez le voir, bon c'est encore un petit peu le chantier parce que je suis encore en train de travailler dessus, mais il commence à y avoir sa petite dose de RGB. On n'y est pas encore parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai réaménagé comme ça, mais ça commence à venir. Donc première chose ici, voilà, je crois que ça s'appelle le Flow, je ne dis pas de bêtises, c'est le Govee Flow, ou alors les Govee Flow, ce sont celles qui sont derrière ma télé. Il faudra que je vérifie, mais en tout cas voilà, vous aurez toutes les refs en description. Aussi appelé le Nimbus RGB. Non, on va pas faire Nimbus RGB. Parce qu'en fait, j'ai débranché la prise en voulant faire le Nimbus RGB, donc... Vous pouvez apercevoir ici les barres que j'ai posées de chaque côté de la colonne. On a le néon flexible qui se trouve juste ici. C'est pas forcément une partie du décor qu'on va souvent voir. Il y a un peu de bordel, bon, c'est tout le truc que je dois ranger. Pour l'instant, c'est vraiment encore en chantier, comme je l'ai dit. Mais du coup, ça donne une petite atmosphère, une petite ambiance dans le studio en plus. Je sais pas si on le verra en vidéo ou en stream, mais en tout cas, j'avais envie que ce soit là. Pareil, toutes mes ampoules ici qui viennent éclairer ce côté de la bibliothèque. En fait, vous voyez, j'ai mis cette partie-là en rose et...
cette partie-là en bleu, donc ici ça projette du bleu, ici ça projette du rose. Du coup, bah, c'est trop beau, je suis trop content. Et en plus, ici, les illustrations, il y a des petites parties qui sont brillantes et du coup, la lumière rose qui vient se projeter dessus, ça fait des reflets. Non, c'est beaucoup trop beau. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, l'illustratrice de ces dessins-là, c'est Naoué. Vous la retrouvez sur Twitter, sur Instagram. Il y a sa boutique dans sa description Twitter où vous pourrez trouver notamment ses illustrations et d'autres qu'elle a fait. Enfin bref, elle a beaucoup trop de talent, c'est beaucoup trop bien. Ah oui, j'ai également mis une bande LED dans la bibliothèque pour que ça éclaire l'intérieur. Comme ça, quand je suis en stream ou même si je décide de tourner des vidéos là, on n'a pas juste l'impression qu'il y ait beaucoup de lumière qui ressort par là et rien dedans. Et je pense que je vais mettre aussi des bandes LED entre les différentes colonnes de la bibliothèque pour vraiment que ce soit beau. Bon, je vais pas non plus trop charger histoire qu'on s'y retrouve un peu, mais c'est beaucoup trop bien et je vais encore vous montrer ceux que j'ai dans ma chambre là-bas. C'est tellement bien et tellement facile. D'un seul coup, on peut tout changer facilement. Alexa, mets stream en vert. Et vous voyez, d'un seul coup, il y a tout qui devient vert. Là, tout devient blanc. Et voilà, quoi, on en fait ce qu'on veut. Et si je le veux, je dirige directement tout avec l'application, si je veux remettre mes couleurs individuelles. Ou alors passer en mode RGB comme ça. La raison pour laquelle, moi, ça me fait autant kiffer, c'est que bah, les matériaux sont de qualité. Genre ici, bah, on va avoir majoritairement du plastique, mais il y a de l'alu. Ici, c'est du plastique, mais de bonne qualité et qui est super léger. Du coup, la LED ne bouge même pas. Alors que bah, ici, pour les placer, j'ai dû les mettre sur une tranche de la bibliothèque qui est vraiment super fine. Elle fait genre la moitié de l'épaisseur de la barre et pourtant ça tient super bien tellement c'est léger. Et aussi parce que le double face fait son effet, ça on va pas se le cacher. Mais bref, ça marche super bien et ouais non, je kiffe. Comme je l'ai dit, j'attendais tellement qu'il y ait un vrai concurrent à Philips Hue qui vienne baisser un petit peu les prix et faire des trucs bien. En soi, je vais pas vous mentir en disant que c'est vachement mieux niveau quali que Philips Hue. Hein. Il y a des produits qui sont mieux, il y a des produits qui le sont peut-être un petit peu moins, je ne sais pas, j'ai pas testé tous les Philips. Mais en tout cas, je veux dire, pour le prix, on a quand même quelque chose de super efficace, super fonctionnel et ça c'est cool. Clairement, depuis que je les ai, ça fait plusieurs mois pour la plupart. Bon, ça c'est assez nouveau, mais par exemple les bandes LED et ici la barre et les trucs derrière la télé, ça fait plusieurs mois que je les ai et que ça fonctionne nickel. Je suis vraiment trop en kiff sur ce petit effet brillant comme ça là. Hein. Franchement, ces illustrations là, je les certifie Jean-Michel LED. Hein. Je vais lui envoyer un petit message pour lui dire tu vas devoir imposer la certification Jean-Michel LED au bas de tes illustrations. Parmi vous, s'il y en a qui ont du Govee, n'hésitez pas à nous donner vos retours dans les commentaires parce que je pense que ça intéressera tout le monde. Je trouve il y a peut-être des gens qui apprécient moins, qui ont peut-être eu de mauvaises expériences ou quoi, des retours un peu moins bons. Mais moi, ça m'intéresse parce que je regarde pas mal sur les sites d'achat, je regarde quelques vidéos et majoritairement c'est très bon. Mais vos retours à vous m'intéressent également. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, je suis super content. Je répète que ce n'est pas sponsorisé par eux. Je veux dire, c'est vraiment très raisonnable pour ce que c'est. Hein. Les bandes LED, certes, il y a moyen de trouver des bandes LED à 5 euros, mais elles vont pas être connectées, elles vont pas être réellement adressable RGB. Ça va être cheap, les animations vont être dégueulasses et très réduites. On n'aura pas d'application pour les contrôler, juste une petite télécommande. Donc, encore une fois, rien de personnalisé. Et puis surtout, pas de Alexa, pas de Google Home, rien du tout. Ici, on a vraiment absolument tout ce qu'il faut et pour un prix réduit. Donc voilà, je suis vraiment super content de les avoir. J'attends beaucoup de leur part pour la suite. Parce que là, ils ont commencé avec du tellement lourd que ils vont être obligés d'assurer pour la suite. Hein. Ça fait quelques mois déjà que j'ai les produits Govee chez moi et pour l'instant, j'ai pas encore vu de défaut majeur. Il y a peut-être un défaut qui est parfois chiant, mais ça, j'ai déjà eu le problème avec d'autres produits que Govee, donc c'est plus un problème de connectivité avec Alexa et voilà, c'est pas juste Govee. C'est que parfois il y a des, je sais pas, des bandes LED, des lieux. C'est que parfois il y a des bandes LED qui décident de ne plus être connectées à Alexa. Genre d'un seul coup, bah, on peut toujours les allumer avec le smartphone et tout, mais on n'arrive plus à demander à Alexa à lui donner l'ordre de les allumer ou d'éteindre ou de changer les couleurs ou quoi. Elle va juste dire bah le périphérique ne répond pas. Et là ce qu'on va être obligé de faire c'est de les déconnecter pendant un moment, de les supprimer de l'application et puis de les réinitialiser pour les réintégrer ensuite à Alexa. Et bon là ça fonctionnera de nouveau, mais bon bah ça peut encore arriver, c'est ça qui est chiant. Et comme j'ai dit, c'est un problème qui persiste sur beaucoup de produits, pas juste avec Govee. Donc bon, c'est un petit peu le point qu'on peut donner à Philips Hue par rapport à ses concurrents, c'est que à ce point là ils sont quand même plus stables. J'ai jamais eu de déconnexion avec les Uplay par exemple. Bon, comme je l'ai dit, c'est surtout avec les bandes LED que j'ai ce souci là. Je l'ai jamais eu avec des ampoules, je l'ai jamais eu avec le néon, je l'ai jamais eu avec celui-ci et je n'ai jamais testé de bandes LED Philips Hue, donc ça se trouve c'est aussi un problème chez eux, je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est le seul défaut que j'ai constaté en quelques mois, mais c'est pas propre à eux, c'est un petit peu chez tout le monde et je vais encore rester avec pendant plusieurs mois, plusieurs années et bon bah au bout d'un moment je vous ferai de nouveau un recap pour vous donner mon avis après autant de temps et puis surtout pour voir s'il y a de nouveaux produits intéressants qui sont sortis. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.